Salut à tous, c'est Fire Dany. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo information sur le DLC de demain et de mon crew que j'ai en ce moment, la Fire Family. Alors en tout premier je remercie Squall KL qui m'a proposé, qui m'a dit toutes ces idées que je vais vous dire en ce moment maintenant. Alors Squall KL m'a proposé de faire un crew avec les abonnés. Alors du coup je vais pas en créer un nouveau mais je vais garder celui-là, mais on va le modifier de A à Z. Du coup j'ai un peu besoin de vous les abonnés. Alors déjà pour le nom, alors avant de vous dire qu'est-ce qu'on va faire dedans, j'aimerais choisir le nom. Alors Squall KL m'a proposé de mettre l'Omerta Cartel. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'Omerta, c'est une mafia, ça signifie loi du silence, alors je crois que c'est italien. Pour le nom on a besoin de vous, comme ça dans les commentaires, choisissez un nom qui fait mix gangster et mix mafia. Alors on va prendre bien sûr le meilleur, celui qui nous plaît le plus. Alors déjà ça, comme couleur principale, bah, je vous affichais à l'écran, ça c'est la couleur principale en ce moment. Si vous voulez qu'on change de couleur, dites-nous dans les commentaires. Alors voilà, ça c'est la couleur principale du crew en ce moment même. Alors maintenant dans cette organisation, alors on va faire un truc de dingue. Il m'a proposé des trucs de dingue qui m'a fait vraiment waouh comme ça. C'est de faire cette organisation avec les abonnés pour vous faire gagner de l'argent dans le jeu, bien évidemment, si vous n'avez pas de lobby. Parce que nous, les 4 chefs du crew, ceux qu'on a créé le crew, on a des lobbies, du coup on n'a pas besoin de gagner de l'argent. Alors si vous voulez, on peut faire ça. On va créer plusieurs organisations parce que je pense qu'on pourra que être 4. Alors tous les week-ends on va faire un grand rassemblement avec les membres du crew Fire. Alors toutes les organisations pour faire cette organisation et par exemple récolter de l'argent, faire des missions ensemble, pourquoi pas jouer ensemble. Vraiment ça va être vraiment une ambiance terrible et j'aimerais bien faire cette idée. De toute manière je vous en dirai plus quand le DLC sera sorti. Là j'ai juste besoin de vos propositions pour le nom et la couleur principale. Alors n'hésitez pas aussi à aller dans la description, il y a le lien du crew, alors rejoignez-nous, ça va être terrible, on est un peu plus de 100 personnes, et j'inviterai que les personnes du crew bien entendu, enfin pour le moment. Alors aussi demain avec le DLC qui sortira, je pense qu'avec les nouveaux habits, faudra qu'on se mette d'accord de créer une tenue de l'organisation, une tenue de crew. Du coup ça va être vraiment super cool. Et dites-moi en commentaire, montrez-moi vos photos sur Facebook des tenues. Alors mon Facebook sera dans la description ou sur Skype comme vous voulez. Montrez-moi toutes vos tenues que vous voulez qu'on fasse. Une tenue pas glitchée mais une tenue normale pour qu'on le mette en tenue de crew. Ensemble nous les chefs et tout, on sera dans les yachts et tout. On va incarner des gardes du corps et etc. Et comme ça vous allez gagner aussi votre argent. Et on pourra faire des super vidéos comme ça, des super lives vraiment terribles. Alors par exemple vous les membres, par exemple, vous serez en low rider. Si on voit que vous êtes plus actif, on va vous mettre en mode lieutenant, etc. Vous voyez, petit les grades, ceux qui sont le plus actifs, on va leur mettre des grades et des nouveaux véhicules à disposition, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, si par exemple, on peut que être 4 dans chaque organisation, en session, on fera plusieurs organisations. Par exemple, on cherche au moins une 20-15aine de personnes qui soient là au moins un week-end sur deux pour qu'on fasse tout ça. Et vraiment, ça peut donner un super truc. Alors 4 personnes pour chaque organisation et je pense qu'on va se repartir, par exemple vu qu'on est 4, on va se repartir moi dans une organisation, l'autre dans une autre, etc. Si vous avez plus d'idées pour cette organisation ou ce crew, dites-moi en commentaire, en gros je vais vous résumer tout ça. Alors donnez-moi vos idées pour le nom du crew, donnez-moi vos idées pour la couleur du crew, donnez-moi vos idées pour la tenue du crew, qu'il faudra respecter à chaque fois, mais enfin respecter pas obligé, mais créer une petite tenue à part pour le crew quand on fera les lives, etc. Ça va être vraiment cool. Et n'hésitez pas à rejoindre ce crew, vraiment, si vous avez plus de questions, dites-moi en commentaire, je vous répondrai. Mais je pense que ça pourrait être une tuerie. De toute manière, vous aurez plus d'informations en fin de semaine, ou même mercredi, je pense. En mercredi, il y aura plus d'informations vu que le DLC sortira demain. J'aurai plus d'infos sur les véhicules, sur les tenues, etc. Du coup, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation du DLC demain. Et on sera en live aussi demain soir pour présenter le DLC, bien sûr, en live, bien évidemment. Dites-moi tout ça dans les commentaires, vraiment, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment besoin de vos avis. Rejoignez ce crew si vous voulez. Ou si vous avez un autre crew, bah rejoignez les deux. Mais comme ça, vous pourrez rejoindre nos parties, ça va être vraiment stylé. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.